decided the match for them. Ben, je pense qu'effectivement, tout d'abord, malgré ma déception, je dois féliciter l'adversaire pour sa victoire, même si je pense que mon équipe aurait mérité un meilleur résultat. Je pense qu'on avait largement la place pour faire un match nul, voir si le match s'était un petit peu offensivement, on avait su utiliser un peu mieux le ballon et être un peu plus adroit dans la conclusion. Maintenant, sur le match, effectivement, je tiens à dire que on n'est pas une équipe moribonde, une équipe nationale moribonde, comme la presse a voulu le dire. On est vraiment une équipe nationale qui a un bon niveau. Maintenant, on est tombé contre un adversaire qui a aussi un niveau de jeu solide, qui nous allait poser des problèmes d'entrée de match, qu'on a su résoudre malgré tout sans prendre de but. Après, on est monté en puissance dans le match, finissant bien la mi-temps. Bon, sur la deuxième mi-temps, on prend ce but et sur la fin, malgré tout, on continue à pousser, on continue à y croire parce qu'on a le potentiel et on rate ces dernières occasions qui devraient nous ramener le match au minimum. Alors, après la sortie de Nazon, vous n'estimez pas que jouer avec Dukens Nazon et Belfort Kevin Fils serait plus utile pour nous? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Monsieur le sélectionneur, oui. Vous avez utilisé Belfort Kevin Fils, vous l'avez fait rentrer en cours de partie, oui. Mais n'estimez-vous pas que jouer avec Belfort et Nazon ensemble nous aurait peut-être apporté quelque chose? Moi, je pense que la vérité de mes changements ont démontré que avec Belfort, on a été pressant sur le but et que on a les occasions pour égaliser. Alors après, c'est vrai qu'on peut toujours supputer sur des, comment dirais-je, un autre positionnement. Et pour ma part, je reste convaincu de la vérité du bon changement et qu'il fallait quand même garder un équilibre d'équipe parce que l'adversaire restait quand même pressant avec son potentiel offensif. Yeah, coach. I think in the first half, except for the first 10 minutes, your team controlled the tempo of the game. What did Peru in the second half offensively that helped them to produce more chances and was more complicated to defend for your team? Bah, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, je pense que l'adversaire, le Pérou, a eu des bonnes périodes, des temps forts et des temps faibles. Mais nous aussi, on a eu de bons temps forts, avec quelques temps faibles. Bon, sur la deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de difficultés à garder notre bloc équipe compact. On savait qu'il fallait sortir, qu'il fallait attaquer pour égaliser. Mais bon, sans prendre de but, je pense qu'on est sorti au maximum, on a poussé au maximum. Bon, après, c'est aussi la vérité du football. Oui, coach, l'équipe haïtienne vient de perdre contre le Pérou. Pour certains, c'est la plus faible équipe dans ce groupe par rapport au Brésil et l'Équateur. Vous allez jouer comment contre ces deux prochains adversaires d'Haïti, parlant du Brésil ainsi que l'équipe de l'Équateur? Ben surtout, je pense qu'il faut remettre les choses à leur vraie place aussi. Le sélectionneur fait ses choix avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Ensemble, on a fait cette partie, je dirais, intéressante contre le Pérou, match que l'on a perdu. Maintenant, il reste deux rencontres. On va déjà s'efforcer de garder le moral, de donner, je dirais, du mental aux joueurs, de réinjecter de la confiance. Après, on sait très bien que le Brésil, c'est les maestros et qu'il va falloir qu'on se prépare à un rude match. Mais bon, c'est aussi, comme je disais, une grande compétition et on le savait à l'avance. Donc, on restait, je dirais, les joueurs ont montré qu'on n'était pas là pour uniquement les faire valoir, qu'on était capable aussi de gagner des matchs. Donc, le Brésil, ça va être un gros match, bien évidemment. What does playing in Copa America mean for both you and your players, and do you think that they sort of embrace that
opportunity today. Merci pour la question. Grande occasion, c'est une occasion que mon pays, le pays que j'entraîne, j'irai à gagner loyalement. C'est pour mon président qu'un quatrième mandat, donc c'est 12-14 années de travail pour en arriver là. Maintenant, comme je le dis, on a dignement gagné cette possibilité de jouer cette Copa, et je pense que sur le premier match, au regard du monde, à la face du monde, on a montré qu'en Haïti, il y avait aussi une véritable équipe nationale. Coach. Coach, pensez-vous qu'il y a un peu d'espoir pour Haïti pour le reste de la compétition? Nous sommes des, comme je l'ai dit avant le début de la compétition, nous sommes des compétiteurs. Maintenant, je pense que il faut pas partir non plus avec contre le Brésil en pensant les terrasser. On va se, comme on l'a fait contre le Pérou, on va s'organiser et on va tout donner pour aller chercher un résultat. Maintenant, les individualités brésiliennes sont là, mais il n'est pas question pour nous, si vous voulez, de partir complètement abattu et d'être là passif. On va tout faire pour faire un bon match et d'aller dans le sens pour être le plus performant possible. Thank you everyone for coming. Merci. Merci, coach. Merci beaucoup.